Et on va te débarrasser, mon petit. Nous, on va traverser là-bas dessus. Ça va mettre 2 minutes, le temps que tu mets un. Mais près de ça, regarde. Ça, essayez de le mettre à la. Tu les as mis, les rillettes de vin? Ça, il en faudra un peu plus de ça. Je t'aime pas là. Un peu de chair salée. Je vais la couper dessus. Là, avec la paille entière, j'enlève toute la barbe des moules et je les gratte pour enlever le rang. Je les nettoie bien parce que dans la sauce, après, ça sort et c'est pas bon. Il faut pas d'herbe sur les moules. Ça, c'est pour l'occasion de la fête de la Pointe-Coq. Alors, le matin, on commence par un déjeuner, mais le midi, il faut qu'il y ait un bon macaronade. Hein. Alors cette année, on a décidé de faire la macaronade au moule farci. Alors le moule farci, c'est un peu plus de travail que la viande, parce qu'il faut tout préparer, il faut tout gratter, il faut tout débarber. C'est un peu plus de travail. Mais enfin, c'est aussi bon, si ce n'est meilleur que, que la viande. Voilà, on fait le travail d'équipe, je suis en train de les gratter, Jean-Pierre il me les ouvre, et en même temps qu'il les ouvre, il casse le nerf de la moule, c'est pour empêcher que la moule s'ouvre, à la cuisson elle se refait avec la force. Avant les moules il fallait les attacher, et que maintenant on les attache plus. C'est de même une recette de Sétoises. La moule farcie, l'encorné farci, il y a la sèche qui se farcie aussi. C'est vraiment des spécialités sétoises. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour se régaler hein. 8 kilos, non? Je sais pas, tu m'as dit qu'il y a 8 kilos. Il y a 8 kilos au moment. Et bien là, dans la sauce, il faut mettre du jambon cru et de la chair salée. Ça donne du goût et on le sent. C'est un plus dans la sauce. C'est pas obligatoire d'en mettre, mais bon, on travaille ici dans une boucherie, il y a tout sur place, c'est excellent. Je suis issu de famille de restaurateurs. Ma mère était cuisinière en restauration. J'ai appris en voyant ma mère, ma belle-sœur et surtout mon beau-frère qui tient encore un restaurant. Il est à Sainte-Marie la mer et beaucoup de recettes par téléphone où on se voit assez souvent et il m'apprend à faire des petits plats et de la bonne cuisine. Hein. Parce que c'est un très bon cordon bleu. On va faire revenir l'oignon en premier. Hein. Une fois qu'on a fait revenir nos moules, quand la préparation de la sauce, on va faire revenir l'oignon dans de l'huile. Après, un peu de concentré de tomate pour que la sauce devienne rouge. Mais attention, la sauce tomate, il faudra la faire roussir avec du sucre pour pas qu'elle vous reproche. Il faut bien la faire revenir pour enlever toute son acidité. Après, de la mi-réduite, ça c'est de la purée de tomate, mi-réduite. Et c'est ce qui fait la sauce, en définitif. Et quand elle aura cuit 3 heures minimum, la macaronade elle sera prête. Voilà. Alors on y ajoute après la chair salée pour donner du goût. Pour l'épice, on mettra un peu de piment avec du poivre et du sel. Voilà en épice, c'est tout. Après on a une bonne sauce. Alors la farce est base porc et veau, salé poivré, ail, persil, beaucoup d'œufs. Du lait. Des œufs, tu vois, j'ai oublié. Je vais prendre la chapelure pour essayer de la laisser assez moelleuse. Voilà, c'est tout. On va aller laver. Allez. Mais comment ça? On traverse. On s'écoute encore plus vite. Alors l'idéal, c'est qu'on travaille. Hein. Il faut le travailler là-dessus. Ah, le cool encore. Hein. Oui, il faut le faire. Je vais faire moi le matin. Hein? Le matin, j'aime trop le matin. Ah, c'est beau, frérot. Ouais, mais je préfère en faire au frère. Là, on est en train de farcir les moules. Hein. Alors, on met la farce, on appuie pour que là, ça dégueule et on lève le surplus. Quoi. Alors, vous voyez, quand on coupe le nerf, la moule, on a l'impression qu'elle ne tient plus du tout. Elle est complètement défaite comme ça. Et c'est quand on la farcit qu'on serre, à la cuisson, elle se resserre. peu. Il faut une matinée pour faire les moules farcis. Voilà, les moules farcis, c'est vrai. Il faut une matinée. Dans l'huile chaude, hein, pour les faire revenir, pour leur faire cracher l'eau. Vous allez entendre ça qu'on va essayer. Voilà, vous voyez, la moule, quand, une fois qu'elle est revenue, la coquille, elle referme la farce. Hein. C'est pour ça que la farce se retient, elle ne sortira plus de la moule. Hein. À midi, voilà. Oh putain. Alors là, on commence notre fond de sauce. On va faire revenir l'oignon dans l'huile. On va préparer notre fond de sauce. De l'ail un peu éclaté. Quelques gousses d'ail un peu éclatées avec la main. Voilà, pour que ça libère tout son arôme. Et voilà, on le met dans l'oignon. Alors je mets du tomate pour que la sauce elle reste bien rouge. C'est du tomate, hein. Concentré. C'est du concentré de tomate. Voilà. C'est bon, j'en remue. Il faut le faire revenir jusqu'à ce qu'il soit noir. Et on va mettre un peu de sucre pour enlever complètement l'acidité. Plus on fait roussir le tomate, plus on enlève l'acidité. Alors après, ça ne reproche pas quand on le digère très bien. Il y en a qui n'en mettent pas parce qu'ils disent que ça leur reproche, mais c'est parce que je pense qu'ils ne le font pas assez roussir. Je mets de la chair salée et du jambon cuit pour que ça roussisse en même temps que le tomate. Ça y est ? Alors, vous voyez le fond de la casserole, il commence à devenir noir, c'est que le tomate a commencé à roussir et que ça s'est attrapé au fond de la casserole. Alors, il va falloir déglacer tout ça avec du vin blanc. Il me sert. Hein. Voilà, je déglace avec du vin blanc. C'est tout le sucre qui est dans la sauce, ça. Ce qui s'est attrapé, c'est tout le sucre. C'est tout ce qui donnera le goût à notre sauce. Voilà, là je vais mettre la purée de tomates. Maintenant, ce qui constitue la sauce pour les moules. Une fois que j'ai fait mon fond de sauce. Ils sont relevés, ils sont forts, hein, de ces cayennes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 6, allez, 7. 7 parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Hein. C'est de la folie. Hein. Ouais. C'est de la folie. Voilà, là on va faire réduire la sauce hein, pendant une heure ou deux. Et après, on les mettra dans les moules pour faire cuire avec les moules, sur les moules pour faire cuire une heure de plus. Et après, les moules seront cuites avec la sauce. Et la macaronade est terminée. Il restera après les pâtes à faire cuire à dente parce qu'il y a beaucoup d'Italiens et ils surveillent les pâtes. Hein. Là, il ne faut pas se rater avec les pâtes. Hein. Voilà.